Voilà. Moi, ça, je ne l'ai pas fait. C'est ce que Yuna a fait et que je n'ai pas fait. La mage, Dungeons and Dragons, du coup. Ha! Avec le nouveau tueur. Et il y a eu, il me semble, il y a eu un nouveau survivant ou deux nouveaux survivants? Il me semble qu'il y en Il a y deux. a un nouveau survivant, mais tu peux l'avoir de deux versions en gros. C'est le même survivant, mais Ah c'est il y a ouais. deux skins différents. Effectivement. Ah non, attends, ça c'est les skins. Mais attends, mais elle est grave stylée cette Meg. Ah, mais c'est réinitialisation de saison en plus. Oui, on est revenu à zéro. Enfin, pas à zéro. Moi, je suis revenu à zéro, mais. Ok. Mais attends, mais c'est un patch, genre ils ont mis ma skin et tout? Genre, il y a 22 skins? Oui, ils sont arrivés avec direct des skins sur les. Ah Ah bah c'est D&D ouais. aussi, let's go là. Dungeons and Dragons, tout ça. Non, je ne craquerai pas, je ne craquerai pas. Après, j'ai de quoi Oh. craquer pour un truc, mais je ne craquerai pas. Ah, mais Oh. j'avoue, mais la Meg, elle est grave stylée quand même. Hein. Elle est grave Ouais. stylée. Oh là. Ah, mais attends, mais du coup, il y a un skin du nouveau tueur. Mais attends, mais je veux voir le nouveau tueur avant. Comment est-ce qu'il s'appelle? La Liche. Personnalisation pour l'instant, non, c'est l'histoire qui m'intéresse. Alors. Alors. histoire. Ouh. Du coup, la Liche. L'indicible, le seigneur de la tour putride, sympathique, maître des secrets. Beaucoup de titres, quand même. Peut aussi. Oui, exactement. Exactement. Peut oser prononcer son vrai nom, terrifié qu'il puisse entendre ou pire. Ah bah d'accord, très bien. Même lorsqu'il était qu'un jeune sorcier, Vecna, c'est donc son prénom, n'avait pas d'égal dans l'art de la magie, alors que d'autres passaient des lustres à se consacrer à une école de magie pour la perfectionner, il mécénera son plein de Sharkendel. Ok, c'est donc un magicien. Oui, alors effectivement, comme il fait léviter son couteau, ouais, d'accord. Après l'exécution de sa mère pour sorcellerie, son objectif vira à l'obsession. Il passa le plus clair de ses études dans l'école de magie la plus ténébreuse, la nécromancie. La vie et la mort. Ça sauve des savoirs ténébreux dans le but de remplir son livre. Les chapitres interdits. Ah oui! Ah, c'est le truc qu'il y a dans son corps. J'avais pas vu. Il vient de le sortir, genre, à l'instant, en mode ouais, c'est de ça qu'on parle, très bien. Le conduisit dans de nobles plans et royaumes, mais ce fut dans l'un de ses propres royaumes que l'un de ses serviteurs trouva quelque chose. Un sortilège peut-être déchiré dans un tome ancien, écrit dans une langue qu'il n'avait jamais vue. Ok. Il pouvait sentir une énergie incroyablement ténébreuse s'en dégager. N'ayant aucun document dans cette langue, il lui fallut passer des mois à s'efforcer d'analyser sa syntaxe, sa phonétique et sa forme. Ok, il a fait le traducteur, pourquoi pas. Il documenta les tracés de chaque lettre, les examinant, les échafaudant des théories sur leur signification, dans un livre énorme, dissimulé dans ses appartements. Attends, dans ses appartements, et du coup maintenant, ses appartements, c'est son corps ou il l'a bougé après? C'est pas le même livre. Lorsque ses lieutenants vinrent lui rapporter des problèmes dans leur domaine, Vecna leur dit de s'en occuper eux-mêmes. Ils devaient se charger d'affaires hautement plus importantes. Ok? Il passa des nuits sans nombre à mémoriser l'étrange écriture, tentant d'en extirper le moins de sens. Il ne délaissait. Je ne sais pas parler, c'est fou. Il ne délaissait que très rarement son donjon afin d'enquêter sur les rumeurs des gens qui avaient disparu, sans laisser de traces dans la nuit. Ah, ça, on connaît ça. Les gens qui disparaissent, c'est le lore basique de Dead by Daylight. Les gens qui C'est disparaissent. ça, c'est généralement ça part de là. Effectivement. Alors. Ouais, donc ça, Oui. d'accord. Devant ces scènes, il pouvait sentir la même magie étrangère qui émanait de la face déchirée. Donc c'est la même chose. Il était convaincu que ce qui tuait les gens, c'était. Non, que ce qui tuait ces gens, je n'arrive pas à articuler, avait aussi écrit ces étranges caractères. Ok, donc c'est l'entité, quoi. L'entité qui a écrit un livre. Pourquoi pas? Ça fait un de ces bruits quand il lit son livre en mode Ouah! C'est le truc à C'est faire. l'instant lecture. Effectivement, un grand lecteur du coup. Hein. Un déchiffreur. Atelier déconcerté, tout ça, ça l'a rendu furieux. Les scènes très rares et éloignées dans le temps ne présentaient aucun modèle, aucun motif commun, aucun signe de lutte, aucun cadavre et seul persistait un léger bourdonnement d'énergie ténébreuse. Hein. Quel objectif avait bien pu nécessiter ces corps? Ok. Lors d'une nuit sombre, il fait une découverte capitale. Un mot qu'il avait interprété comme signifiant mourant fonctionnait mieux avec le sens de disparaisse. Disparaissant. Ah, donc les gens ne meurent pas et disparaissent, bien sûr.
Mm-hmm. Évidemment, évidemment. Oui, ils vont dans l'autre rien monde. Rien n'est une fin. Ça, ouais. Peut-être que ces gens n'avaient pas été tués du tout. Peut-être avaient-ils été emportés vivants. Il appliqua cette substitution à ses notes et tout se mit en place. Il copia ce qu'il avait appris sur un morceau de parchemin vierge. Écrit phonétiquement, il se mit à prononcer les mots à voix haute et la pièce s'assombrit. Elle se remplit d'un brouillard rampant. Ok, il se sentit lui-même se déplacer, se rendre ailleurs. Vecna résista, lançant des sorts mémorisés, tenant le brouillard en respect. Mais alors qu'il contemplait les ténèbres, il sentit une énergie attirante en émaner. Un désespoir, un mal qu'il pouvait à peine concevoir. Une curiosité malsaine le submergea. Il cessa de se concentrer et laissa le brouillard l'emporter. Ah ! Très bien. Le seul moyen de s'en rendre maître était de s'y soumettre. Ah bon ? Ah, du coup, il est devenu méchant. Il savait dans son cœur froid et inerte qu'il serait bientôt le maître des secrets ténébreux de cette chose. Ah mais en fait, il était sympa tout le long, genre juste, il voulait traduire un truc tranquillement et tout, fasciné par un livre, et d'un coup, il a voilà fait quoi. La mauvaise incantation. C'est pas le bon livre, quoi. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc un peu, j'allais dire malgré lui, mais bon, j'ai envie de dire, si tu fais de la nécromancie dans ton temps libre, est-ce que c'est vraiment malgré toi? Ah bah, tu te doutes bien que bon... Ouais. C'est un jeu dangereux, n'est-il pas ? Il est vrai. Il est vrai. Personnellement, faire des incantations, tout ça, en mode j'ai vu ça dans un livre, pourquoi pas ? Bon. Est-ce que moi je ferais ça ? Attends, bah, je veux voir du coup. Est-ce qu'il a forcément des trucs avec son livre ? Qu'est-ce que c'est, ces perks ? Pouvoir ! Qu'est-ce qu'il fait, le Michel ? Notre cher Vecna, relié avec la peau et la chair des hommes, les chapitres débordent de sortilèges. Oui, tu m'étonnes. Ok, donc pour choisir un sortilège, maintenez le bouton de capacité pour ouvrir la sélection de sortilèges. La liche a 4 sortilèges. Voilà. Main de mage. Crée une main magique qui soulève une palette renversée ou bloque une palette debout pendant 4 secondes. Ah oui. Attends, mais ça, c'est même pas ses compétences. Non, c'est même pas ses perks. Il fait ça de base. Okay. Oui. Non, ça, c'est ses pouvoirs en tant que tueur. Ah, oh, d'accord, ouais. Voler des damnés fait apparaître 5 entités spectrales volantes, capables de traverser les obstacles et de blesser les survivants. Tu avais joué un peu contre l'artiste ? Oui. Avec ses corbeaux, bah, c'est un peu le même délire. Mais avec okay. Du coup des squelettes spectraux. Ah ouais, très bien. Ouais. Très bien. Sphère de dissipation invoque une sphère invisible mobile qui révèle les survivants et désactive temporairement leurs objets magiques. Qui révèle les survivants. Mais c'est incroyable. Ok. Vol. Vous gagnez la vitesse du vol pendant un bref instant. Vous permettant de franchir une grande distance rapidement. Attends, what? C'est une infirmière artiste. Wow, wow, wow. Il est très, très fort. Wow. Ok. Très bien. Objet spécial. Les objets magiques. Ah, parce que ce n'était pas suffisant. Waouh. Les coffres trésors présents dans toute la carte peuvent contenir des objets magiques, dont les survivants peuvent s'équiper. Ah non, c'est pas pour lui. Ouais, non. Ah, d'accord. Bah, faut bien essayer de le contrer un peu. D'accord. Les bottes ou gantelets de l'intrus. Quand main de mage est utilisée, révèle l'aura des palettes affectées et applique rapidité pendant 3 secondes. Ok. Bottes gantelets de garde de nuit, révèle l'aura de la volée des damnés. D'accord. Bottes gantelets de l'archiviste, rend visible la sphère de cette dissipation. Et bottes gantelets de la garde du ciel... révèle l'aura de la liche pendant le vol et quelques secondes de plus. Ok. Donc chaque habilité a son compteur. Mais du coup, ça veut dire que contre lui, il faut fouiller les coffres vite, quoi. Bah, c'est ça. Disons que ça peut permettre de contrer un peu, parce que comme tu lis, juste en lisant, tu devines que franchement, il sait fort ses pouvoirs. Et donc, justement, les survivants ont quand même des capacités pour essayer de se défendre un minimum, tu vois. Ouais, ouais, effectivement. Et de contrer tout ceci. Et du coup, il y a encore un truc, objet spéciaux, la main et l'œil de Vecna. Les coffres au trésor contiennent rarement la main ou l'œil de Vecna. Lorsqu'un survivant en bonne santé ramasse et utilise l'un de ces objets, il perd un état de santé, trahit sa position avec instinct tueur pendant 3 secondes, mais obtient une capacité spéciale. Soit la main, du coup, en entrant en courant dans un casier, le survivant se retrouve téléporté dans un casier plus loin, what the fuck. Ouais, c'est... Waouh. Et l'œil, quand un survivant quitte un casier en courant, son aura ne peut être vue et il gagne rapidité pendant 2 secondes. Bah, incroyable. Ah, donc t'as les objets légendaires et tout. Ok. Ok. Ah ouais, bah en fait, si tu veux, du coup, à chaque fois que tu vas lancer un coffre, c'est excellent, c'est que ça lance un dé.
Ah ouais! Et en fait, globalement, t'as forcément, en fonction de ton résultat au dé, qui est totalement aléatoire, t'auras plus ou moins un objet fort, tu vois. Mais c'est génial! Moi, j'adore le système. Après, voilà, D&D, moi, je suis biaisée, mais voilà, genre, c'est trop bien. Ah ouais, trop bien, trop bien. Ok. Ok, alors attends, fais voir les perks en plus. Je t'ai juste envoyé un petit MP. Oui! Vérifieras un peu, mais tranquille. Oui, bien évidemment. Après, les perks, évidemment. Évidemment. Il y a Benji qui arrive bientôt. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est 18. Benji, il arrive vers 30, c'est ça? On pourra. Ben, le temps qu'on lise un petit peu tout ça. Ouais, non, mais je lui ai dit qu'on était dans la lecture tranquille, mais voilà. Ouais. C'est juste pour prévenir. Effectivement. C'est parti. Alors, du coup, nous avons les perks du tueur. Et ensuite, on ira voir le survivant. Du coup, il y en a un. Mais qui est divisé en deux. Donc, lien avec la trame. Lorsque les charges d'un objet de survivance sont épuisées pour la première fois, celui-ci est lâché. Vous voyez l'aura des survivants... Non, vous voyez l'aura des objets lâchés, pas des survivants lâchés, non, effectivement. Mm-hmm. Ok. L'aura des survivants dans lâchés, un... Ah mais attends, ouais, quand t'es à 12 mètres d'un objet sur le sol, on te voit. Ouais. Ah ouais. C'est très très fort. Et quand un survivant ramasse un objet... Parce qu'en fait, dans tous les cas, du coup, si tu... Admettons, tu utilises une boîte à outils sur un générateur, tu vois. Ouais. Tu finis ta boîte à outils dès le générateur n'est pas encore fini. Ta boîte tombe automatiquement, du coup, parce que c'est le pouvoir de la perse. Et en plus de ça, Vecna te voit, du coup, être sur le générateur, tu vois. Ah ouais. C'est trop fort. Et si tu le ramasses pour l'éloigner, pendant 30 secondes, il te voit. Ouais, super. Voilà, c'est ça. Attends, non, inconscient pendant 30 secondes. Non, il te voit pas. Il est inconscient, tu le vois pas, mais du coup, t'as un debuff quand même. Ouais. T'as un malus, mais peut-être moins pire que moins le fait d'être opéré, quoi. Effectivement. Alors, attends, contact languide. Lorsqu'un survivant effraie un corbeau, c'est-à-dire tout le temps, il y en a beaucoup des corbeaux, il subit l'effet de statut épuisement pendant 10 secondes. Cette compétence a 20 secondes de temps de recharge. Non, en vrai, les corbeaux, c'est si tu cours. Ouais, c'est ça. Du coup, ils sont effrayés. Ouais, c'est ça, c'est pour les effrayer, ouais. C'est que t'es pas discret, on va dire, je crois. Ok. Très bien, 10 secondes quand même. Mm-mm. Et ensuite, arrogance ténébreuse. J'aime bien le nom de la perc. C'est un peu moi, ça, l'arrogance ténébreuse. Non, je déconne. augmente la durée de votre aveuglement par n'importe quel moyen et la durée des étourdissements causés par les planètes de 25%. Mais augmente la vitesse de saut normale de 25%. Ah oui! Et donc tu te fais. Ah ouais, non, mais attends, la vitesse de saut, c'est quand ils se téléportent? Ils sautent pas? Alors attends, non. Là, c'est globalement, je crois qu'augmente la vitesse de saut, c'est genre pour les survivants, tu vois. Ah, ok, très bien. Ok. Par n'importe quel moyen et la durée des étourdissements. Mais non, parce que attends, les deux premiers, c'est des malus pour toi. Ah non, les sauts de fenêtres. Ils sautent par la fenêtre plus vite. C'est ça. C'est le passage des fenêtres. Ok, alors. Je me disais, attends, non, c'est que des malus, sinon c'est bizarre. Non. C'est bizarre, mais oui. Ok. Non, il est fort. Ok. Et les trois trucs sont giga fortes, en fait. J'avoue. Les perks sont incroyables. Moi, j'ai testé les trois et je crois la seule dont je me suis séparée, c'est celle des... Du contact, enfin de la deuxième, je crois. C'est la seule avec les corbeaux. Avec les corbeaux. Okay. Mais en fait, les trois sont extrêmement forts. Et vraiment, ma préf, c'est lien avec la trame. Le truc des objets, c'est trop fort. Parce que vraiment, le nombre de fois où un objet est finalement pas si loin d'une zone d'un générateur. Et en fait, du coup, t'as même pas à aller voir le gène parce que tu saurais s'il y a quelqu'un dessus. Quoi. Mais oui! C'est trop fort! J'avoue. Franchement, c'est incroyable. Ok. Ok, très bien. Il est incroyablement stylé et moi je suis amoureuse du skin dans la boutique. Je suis à deux doigts de faire des folies, vraiment. Ah, voilà. Ah très bien. Très bien, fort bien. Tout va bien, tout va bien. Et ensuite, nous avons le survivant. Donc il y a Aestri et Yazar, c'est ça. Donc c'est deux survivants. Mais tu peux choisir. Mais attends, mais il est grave stylé. Ouais, incroyable. Est-ce que je peux choisir, je peux changer? C'est Astri, si tu changes, c'est directement dans le menu, en fait. Ouais, quand tu sélectionnes ton survivant. Tu sais, c'est une personnalisation genre de look, comme avec, par exemple... Oui. Moi, par exemple, j'ai le skin de Claire Redfield pour
Jill Valentine, à la base. C'est, oui. Et c'est un skin qui change le perso en lui-même, tu vois. Là, c'est un peu la même chose. D'accord. Sauf que tu l'as de base. Ok. Ok. Ah, mais je viens de voir, du coup, il y a des skins un peu en mode barde et tout. Ah bah, bah oui. moi je suis fan, hein. Oh là, ouais, ça fait vraiment D&D, effectivement. Après, c'est le but. Ah, hein. Ma vie, c'est merveilleux. Après, c'est le but. Très bien. Très bien. Alors, attends. Quelle est son histoire, mm-hmm. ses chers amis? Alors, ils arrivèrent à la cité libre de Gris Faucon pour échanger contes et chansons avec les habitants. Ah, mais c'est vraiment des bardes. Ah, mais c'est des bardes. Mais ce que les bardes apprirent au cours de leur visite allait les lancer dans leur dernière aventure. D'après les voyageurs et gens du coin, une nouvelle magie à nul autre pareil se propageait à travers la contrée. Les forces du mal disparaissaient de tous les coins du pays, ne laissaient aucune trace de leur malfaisance. Tout Gris Faucon était en liesse, Maestri et Bermar. Non, Baermar. Baermar, ça se prononce comme ça? Je pense, hein, Baermar. Je pense, ouais, je pense. Ne partageaient pas la joie générale. Le but d'un barde dans la vie, c'était de célébrer le triomphe sur l'adversité, bien sûr. J'adore. Un monde sans mal sera un monde sans nouvelles chansons à chanter, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous savez ce qu'elle devait faire? Elle écuma les tavernes et les ruelles de la cité en quête d'aventuriers prêts à les aider, évidemment. Elle et Bermar a trouvé la source de cette étrange et nouvelle magie. Beaucoup lui dirent non, car pourquoi voulait-elle faire revenir le mal dans le pays? C'est vrai, ça. Mais usant de sa vivacité d'esprit et de son charisme, Aestri parvint à inspirer suffisamment de citadins de se joindre à elle dans la restauration de l'équilibre du bien et du mal. Fort sympathique. En somme, ce groupe hétéroclite d'aventuriers voyagea à travers les marais et sous les montagnes. Ils furent chassés des villes par ceux qui les croyaient de mèche avec le mal qui avait été éradiqué. Et de temps à autre, de généreuses personnes leur offraient le gîte, le couvert et par-dessus tout les informations. Bien évidemment. Baermar nota avec enthousiasme chaque indice, chaque rumeur qu'ils entendaient, et conclut que la source de cette étrange magie devait se trouver près du royaume de Kéoland, dans Kéloand, là où les gens parlaient d'une antique tour émergeant de ses ruines, et qui avait été instantanément reconstruite plus grande et plus solide qu'avant. Là d'où vient notre cher ami Vecna, donc, bien évidemment. Mm-hmm, tout à fait. Leurs soupçons furent confirmés lorsque la troupe parvient du sud. Les villageois, je ne crois pas. Bien évidemment. Les villageois parlèrent de la tour, son seigneur, à voix basse. Maestri connaissait le lieu de réputation. Il se rendait à la tour putride, à forteresse de l'Arkilish. Vecna. L'Arkilish? Oui, ça se prononce comme ça. Ouais. Mmh. À mesure qu'il se rapprochait de la tour putride, les membres de la troupe pouvaient ressentir la magie malfaisante dans l'air. S'armèrent de courage pour un combat contre Vecna, mais eurent la surprise de découvrir la tour putride complètement vide. Ils montèrent à l'escalier en spirale et passèrent devant plusieurs fenêtres aux vitraux brisés jusqu'au sommet de la tour. Parmi les débris, Aestri trouva un parchemin écrit à la hâte. Baermar était impatient de montrer sa connaissance des arcanes. Il étudia le parchemin et réalisa que les mots étaient une incantation, écrite phonétiquement. Du coup, il va pas la chanter. Eh si. Alors qu'il chantait les mots à voix haute, la tour se mit à trembler. Un brouillard noir s'insinua à travers le sol de pierre. Aestri interrompit Baermar dans sa lecture, mais il était trop tard. Le brouillard s'empara des aventuriers. En quelques instants, ils avaient disparu. Ah, le bar. C'est typiquement le genre de truc que tu peux faire en aventure, D&D. Genre, oh, vraiment... un parchemin malfaisant. Ah, oh, je vais le lire. Que... Eh ben non. Allez, fais-moi un bon lancer de dés, on va voir comment ça se passe. C'est beau. C'est beau. Aïe, aïe, aïe. Eh bien... Let's go. Eh bien, incroyable. Attends, mais du coup, quels sont leurs perks? Est-ce qu'ils ont des compétences de barde? Illusion du miroir. Cette compétence s'active quand vous effectuez 50% de réparation des générateurs. Appuyez sur le bouton de capacité 2 près d'un générateur, d'un totem ou d'un coffre pour générer une illusion statique qui dure 120 secondes. Une illusion de nous-mêmes? De nous-mêmes, ouais. Un deuxième toi qui fait l'action alors sans vraiment la faire, mais qui peut globalement servir d'appât, tu vois. Ah, marrant ouais, du ouais. coup, tu fais... 50% d'un générateur, tu laisses une illusion de toi dessus et tu dois en faire un autre. Par exemple. Ah ouais. Ah, pas mal. Mmh. Ok. Inspiration bardique. Appuyez sur le bouton de capacité pendant que vous êtes debout et immobile pour commencer l'interaction du numéro qui dure jusqu'à 15 secondes. Et renforce les survivants. Lancez un D20. Mais c'est fou, tu lances vraiment des dés. Mais oui. J'adore. Cet effet perdure 90 secondes après la fin du numéro. Hein, vous hurlez. Ah, l'échec critique! Ah, bah, échec critique, tu cries, hein! Ah ouais!
les tests de 2 à 10, les tests d'habilité donnent plus 1 de progression. De 11 à 19, plus 2 de progression. Et le 20 nat, du coup, les tests d'habilité donnent plus 3% de progression. Ok. Mmh. Lorsqu'un test d'habilité est raté ou que le numéro est terminé, la compétence se recharge. Ok. Mmh. Ça, c'est très rigolo, ça. Ouais. C'est très incroyable. Rigolo. Mon nouveau gameplay préféré. Ah mais de fou, les bardes quoi, c'était... Ah ouais. Ah ouais. Oui, bah oui. Hein. Et vision immobile, lorsque vous restez immobile pendant 4 secondes, cette compétence s'active. Tant que vous ne bougez pas, vous voyez l'aura du tueur. Oh, ainsi que ouais. Tous les générateurs. Ah, dans un rayon de 24 mètres. De quand même. Oui, non, pas partout. Non mais d'accord, donc je me suis dit, wow. Mais attends, mais c'est génial. C'est fort quand même en vrai, parce que quand t'entends le rayon, justement, t'arrives ouais. à rester immobile 4 secondes, tu vérifies où il est, t'essayes d'esquive, voilà quoi. Ah mais c'est ouf. Aïe aïe aïe. Ah mais moi je vais jouer avec ça tout le temps. Ah, bah, incroyable. C'est pas mal. Ok. Ok, et eh bah ben, je suis conquise. C'est bon. Ah, let's go hein. Merci Steve pour les 10 mois, merci beaucoup. Incroyable. Eh bien... Est-ce que... Attends, fais voir les skins. Y a pas genre collection Donjons et Dragons. Y a un skin Giga Rock. Y a un skin Giga Rock. Une guitare et une crête. Attends, c'est... je crois que je l'avais vu. Attends, Giga... celui-là. Giga en embuscade de ouais. bord de route. Le nom du skin de bar. Ouais, ouais, ouais. Après, les cheveux sont assez visibles. Hein. Ah oui, par contre, il est vrai. Oh, mais la guitare dans le dos. Oh là, la guitare dans le dos, oui. Ouais, 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 ouais. J'avoue, Ouais, ouais. Mm-hmm. Ah ouais, j'avoue qu'ils sont... Ouais, ils sont bien stylés. Allô. Ah, bonsoir. Bien le bonsoir, Benji. Bien le bonsoir. Comment va? J'ai vu de la lumière. Ouais. On m'a dit viens voir l'entité, tout ça. J'ai dit d'accord. L'entité, oui. L'entité, évidemment. Viens lancer des dés. Bien, oui, 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 oui. Moi, j'ai mes propres dés. Je peux lancer des dés IRL aussi ou comment ça se des passe? Des dés IRL je suis pas sûre. Je sais pas ce que ça fait sur le jeu si tu les lances IRL. Ah, je peux mais tenter. Oui. Écoute, je sais pas, on verra. Hein. J'allume la lumière. Il fait un peu de nuit, en fait. Oh. Allô. Oui, pardon. Il y a des codes pour les puntos. Ah ! Je veux les codes les pour les puntos. Puntos. Bah, j'imagine que potentiellement Loom se pourra te les donner. Oui, potentiellement. Elle les a de côté, potentiellement. Bien sûr. Non, c'est Benji qui vient d'arriver, il est plutôt faible. Mais comment tu peux oser dire ça de Benji, le pauvre ? C'est un fort garçon. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu, on peut répéter s'il vous plaît? Bah super, super! Je pense ouais, qu'on voulait dire que ta voix était faible, mais je suis pas sûre, je crois que c'est tu es faible. De... Incroyable. Non, il est fort. Oh non! Terrible! Terrible! Je suis tristesse. Je comprends. Je suis tristesse. Oh non, c'est pas grave, je vais me démerder. Ok. Attends, mais donne-moi les codes, donne-moi donc. Ouais, alors il y a. Attends, je attends dans l'homme, il faut que tu changes le message, tu peux pas mettre ça du coup. Interxionalie. Attends, l'épingle pas. Je te le copie-colle. Hein. Hop voilà, je peux pas mettre de message épingle pour l'instant. Je vous le mets dans vos deux chats. Hop. Ouais. Okay, intersection. Yes. Ouais, dur à dire, mais il est là. C'est des points de sang, c'est des points de sang. Les points de sang. Si vous n'aviez pas utilisé, il y avait le sang Casley. Non, ça j'ai déjà utilisé. Merde. Vous avez déjà utilisé. Sang Casley. Il y a le. Alors ça c'est trop bien, c'est pour des éclairisés. Il y a le Proud Suzy. Proud Suzy, comment t'écris Suzy? Ah merde, attends, je t'ai remis le même. Attends, je copie-colle. Mais c'est une autre. Non. Voilà, Proud Suzy. Suzy comme ça, oui. Et pareil, Proud David. David. Échanger. La même chose, mais avec David à la fin. Comment ça s'écrit? Parce que je suis pas sûr. Tu peux le mettre dans mon chat, s'il te plaît? Proud David. Okay. Non, ça marche pas. Je vais. Quoi? L'embêter un peu. Non, il marche pas. J'ai essayé avec un D ou deux D.
David avec un i, hein. Essayez avec un D20. Attends, mais il a marché pour moi, j'ai pas rêvé. Si, je me suis trompé. Ah oui. Elle s'est trompée. Ah bah super, bah non, mais alors. Bah non, non, je suis sûre d'avoir mis celui-là. C'est pour les éclats irisés, c'était ça, c'était Proud Suzy et Proud David. Et après. Attends, c'est tout ? Non, c'est bon, je crois qu'après c'est déjà pas mal. A short rest. Da. C'est déjà pas mal ? C'est déjà pas mal. Bah ouais, hein. Mais non, mais je crois qu'il. Attends, mais je crois qu'il a mort. Alors. Santé, hein. Bah santé, du coup, Benji. Ravi que tu sois là. Pour cette soirée, bien évidemment. Oh là là, let's go. Merci de m'avoir invité, hein. Et du coup, le dernier truc qu'on avait à vous dire sur le jeu pendant ce live, alors je sais pas trop comment on va faire encore, mais... Aucune idée. Dead by Daylight, les studios Behavior ont eu vraiment l'extrême gentillesse de me donner non pas un, non pas deux, non pas trois, je vais pas tous les faire parce que c'est long. Ça va être long. Ça va être long. Non pas 10, non pas 20, mais bel et bien 100 codes pour le jeu. 100 Ils sont dans la générosité, merci à eux. Voilà. On est best, hein. Pour le jeu Dead by Daylight. Et du coup, comme ça serait très long de donner 100 clés, on va diviser ça sur les 3 streams. Du coup, voilà. Donc, il y a 33 clés chez moi, 33... Non, 34 clés du coup chez moi. 33 clés chez Benji, 33 clés chez Yuno à gagner pour ce soir. Du jeu, ouais. Du jeu Dead by Daylight. Si jamais vous avez toujours voulu tester, si vous nous regardez jouer depuis des années et que vous avez jamais voulu... Genre, vous avez jamais joué, vous avez toujours voulu vous dire « Bon, allez, vas-y, tant qu'à faire, pourquoi pas ?» Pourquoi pas ? Mais sinon... Sinon, vous pouvez tout aussi le télécharger, bien évidemment. Mais... non, c'est du jeu de base. Du jeu de base. Le DLC qui vient de sortir, du coup, n'est pas dans les codes. C'est les codes du jeu Dead by Daylight. Ce qui est déjà pas... En même temps, s'ils n'ont pas le jeu, mais qu'ils ont le DLC, ils vont pas pouvoir en faire grand-chose. Si c'est, voilà. Parce que ça aurait été des... Bah, c'est ça, en fait, pour moi, vaut mieux donner les clés du jeu de base. Parce que si t'as la clé du DLC et que t'as pas le jeu, bah t'es content, bah, mais du coup, tu peux pas jouer au jeu. Ah, ça, ouais, complètement. Ça, c'est un peu con, quand même. Pour le coup... Tant qu'à faire... C'est que des clés Steam, effectivement. Pas dire de bêtises, mais c'était la demande. Oui, ouais, il me semble que c'est des. Alors, c'est des clés Steam, c'est sûr, mais on est d'accord que les clés Steam ne marchent pas. C'est pas cross-platform pour le coup. Non, je crois pas. Sauf s'ils t'ont précisé, mais normalement, s'ils t'ont dit clé Steam, c'est Steam, tu vois. Pour le non, coup. Non, mais de toute façon, la forme de la clé, c'est Steam. C'est... Oui, voilà, c'est ça, la clé Steam. Ouais. Pour PC, après, ouais, le jeu est dispo littéralement partout. Genre, il est dispo sur exactement. Des plateformes que je ne connaissais même pas, genre même sur Switch. Il est dispo sur Switch ? Ah ouais, maintenant, oui, maintenant il est partout. Il est partout, ce jeu, bien sûr. Mais effectivement, les codes, là, ce sera pour PC, pour ceux qui ont des PC. Wow. Encore un voilà. Une qui va à la pêche au code. Incroyable. Non mais écoutez, moi je vous les envoie, voilà, hein, des points de sang. On dit non, points de sang, non, voilà, des ah points non, de non. sang. Ah bah oui, on vient let's de... Let's go. On dit jamais non, mais points alors, de sang. Alors du coup, c'est vrai que pour tout ceci, je sais pas, je pense alors, que mieux c'est genre... Ouais, moi j'avais une question justement pour les clés, etc. Est-ce que c'est juste pour ce soir? Ou est-ce que, genre, si on les drop pas tous, tous les trois ce soir... Oui, non, mais je pense que c'est dur de faire 33 giveaways en même soir. C'est quand même... Le but, c'est qu'on joue au jeu et pas qu'on fasse que les giveaways. Quoi, sinon, c'est vraiment 2 heures de giveaway, quoi, vraiment. J'avais pensé à en faire genre après chaque fin de game. Ouais, voilà, ouais, j'avoue genre, que ça peut être pas mal. Un giveaway, puis voilà, et ouais. Jusqu'à ce qu'on tourne plus. Vous avez tous Wizbot. Moi je sais que je passe par là, mais je sais pas s'il y a. Je passe par là. J'ai regardé vite fait avant de lancer comment ça fonctionnait. Je sais pas du tout. Donc ça va être sûrement bancal, mais. Ça va okay, être l'improvisation. Et merci Marie. Ah mais franchement, merci oui. Marie, et merci bah, à eux, oui, vraiment, oui, merci oui, à vous de m'accompagner ce soir. Mais merci évidemment. À toi de partager toutes ces clés pour que toutes les communes puissent en profiter, franchement c'est adorable. Totalement. Et moi je suis trop ravie de t'accompagner pour la découverte de ce site.
Incroyable! Tu prends ces dés d'ailleurs? Est-ce qu'on fait une game perso et on met un ou deux bots et comme ça t'as l'occasion de voir un peu tout? C'est une bonne question. Je me disais qu'au bout d'un moment, je me voyais bien faire des games perso histoire de voir ce que ça donne. Parce que là, si on fait une game tous les trois, on va peut-être pas tomber sur Vecna. Bah, on va peut-être pas tomber direct dessus. Si tu vas avoir le temps d'analyser un petit peu toutes les perks, tous les trucs, puis juste que la game, voilà, potentiellement dure, etc. Moi, je me dis potentiellement une ou deux petites games perso, into les vrais games. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Histoire de familiariser aussi avec le gameplay. Oui, aussi, c'est vrai. Ah. Totalement. Eh bien, incroyable. Voilà, moi, vous m'avez dit, c'est parti, tu vois. Genre, voilà, on est parti, let's go. Alors, Yuno, avec Na, pour commencer, je... Non mais comme ça je vous montre. Pas de message. Oui, bah d'accord, ouais. La game dure 3 secondes et... Marie, tu veux prendre la place la place de la muerte, la place du dieu, ou est-ce que d'abord je petite démo et puis après comme ça Ah, moi je veux une petite démo. Moi je vais être gentille, hein. Moi je vais être gentille. Non mais franchement, non mais c'est vrai, c'est réel. Bien sûr. Je vous mets deux petits bots que je pourrais massacrer. Voilà, c'est merveilleux. C'est vrai. Comme ça après on sera entre nous et c'est super. Bien sûr, totalement. On les dévots vite fait et puis comme ça tu vois un peu. Enfin nous on voit ce que ça fait genre avec Na, ça peut être bien ça, non? Par exemple. Hein. Bah franchement, moi j'aime bien comme ça, hein, découvrir avec Yuno qui joue le tueur, ce serait super. Ah, mais... je vais être sage, c'est promis. Mm-hmm. Ah par contre, vous voulez voir le mémène? Ah bah oui. Ah bah moi, je veux forcément voir le memento. Après, est-ce que je veux subir le memento? Je suis pas sûre. Hein. mais c'est sympa. Je pourrais peut-être me sacrifier, y a pas de souci. Oh là là, incroyable. Pour le spectacle. Oh, putain, du coup, j'ai toutes les perks, c'est vrai, en partie perso. Incroyable. Ah oui, attends. Parce que, attends, je mets que je suis prête. Mais je n'ai pas mis mais les finalement, perks. Bah oui, non. Je n'ai pas mis les perks. Okay. Alors, du coup, elles sont dans l'ordre alphabétique, donc moi, j'aimerais bien celle de Aerys. Ah, alors, attends. Tu veux les... Je vais pouvoir tester mon jeu. Non, mon jeu est en français. Ah, est-ce que alors, vous avez les noms? Inspiration bardique. Inspiration bardique. Oui. Illusion du miroir. Illusion et du la miroir. Troisième, je la cherche. Vision du miroir. Ah, et la troisième, c'est vision immobile. Vision. Ah oui. Ah, celle-là, je l'aime bien. Ok, nickel. Ouais. Et ensuite, celle que j'aime bien, c'est. Ah, et puis il nous faut la map, hein. On va y voir la map, là. Yuno, faut que tu mettes la map. Oh, il y a une nouvelle map aussi ? Bien sûr que je vais mettre la map, bien sûr. Bah, oui. Est-ce que je peux ? Comment on fait ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment je fais ? Dans les options. Normalement, dans les options de la game, tu peux mettre la map. Personnaliser, passer aux survivants, gestion de la partie, carte. Voilà, c'est ça, exactement. Elle est là, ruines oubliées. Eh bien, appliquer changement. Voilà. Normalement, on sera sur la bonne map. Très bien. Important bien. De voir. Eh bah, ben, c'est bon. J'ai les compétences. I am ready. Hâte de voir ça. Let's go. Mm-hmm. Carrément. Let's go, Benji. Allô? Allô? Ready. Excusez-moi. Oui, voilà. Pardon. Ouais, ready. Excusez-moi. Alors, où est-ce qu'on se donne rendez-vous? Moi, je te donne pas rendez-vous. Tu donnes pas rendez-vous? Tu veux pas me rencontrer et tout, passer un petit moment et tout? Non. Moi, je suis sympa, j'ai plein de choses à montrer. Pourquoi la paire qu'on l'a pas vue? Pour rien. Pas de question, voyons. Ah, mais non, t'as pas pris l'offrande de la map. T'as vraiment choisi la map
Ah oui, t'as choisi la map manuellement. Oui, j'ai choisi la map manuellement. Ah non, mais ok, je pensais que t'avais mis. Du coup, j'ai pu choisir mon offrande, tu vois. J'ai pu choisir une autre offrande qui est très sympa. Très très sympa, vous verrez, tout va bien se passer. Alors, où êtes-vous ? Oh, la map est incroyable, déjà, faut visiter toute la map. Hein. On est obligé de se faire un petit rendez-vous. Chez la salle de torture, vous savez où c'est ? Attends, c'est incroyable, je suis en train de jouer ma meilleure guitare. Oh ! Ah ! Bonjour ! Ah ouais, fort bien. Alors attends ! Pourquoi tu cours ? Benji, c'est toi qui cours ? Benji. Non ! Pas touché ! Benji ? Non ! Non, non, Yuno ! Non, tu mourras pas. Mais elle est incroyable, c'est cette possible, map ! Hein. Y a un arbre qui brûle ! Mais attends, tout brûle en fait ! Y'a pas que l'arbre. Benji. Ouais. Reviens donc. Non, non. Mais vraiment pas, j'ai pas envie. Mais allez, on passe un bon moment là. Putain, loupé. Non, pas touché. Oh, le mec quoi. Ah, bien joué. Ah. Benji. Non. Mais oui, mais non, parce il y a que, des icônes fait, Ah, mais c'est les objets que t'as. J'ai deux icônes à côté de ton pseudo. C'est les objets que t'as ramassés dans le coffre. Oui, c'est... Ouais, c'est t'as ça. T'as fait un coffre. Moi, j'ai pas fait coffre. Qui c'est qui a fait un coffre? Ouh. Ah, personne. Personne a fait le coffre. Je vais voler vers toi. Peut-être un des bots. C'est bien, bonsoir. Bien le bonsoir. Voulez-vous que je vous montre mes pouvoirs, man? Mais écoutez, où êtes-vous parti? Attends, mais parce que j'ai croisé Ada là qui a couru. Elle m'a dissipé. Là, elle t'a dissipé, je comprends. Bah totalement. Ouais, mais dès que je la vois, je suis perturbée aussi. Ada, viens ici. Au secours. Attends, Benji souffre. Au secours. Bah c'est vrai que Benji il souffre, hein, je l'ai accroché, hein. Il était là. Attends, mais elle est incroyable cette toi, ça C'est moi ça. Bonjour. Bonjour. Je comprends pas trop le fonctionnement des... En fait, il faut que j'arrête d'anticiper que les bots font des choses comme nous. Je vais de suite te soigner. Ouais. Attends. Alors. J'ai fait un 9, et toi? J'ai fait un 11. Super. Attends, je vais IRL pour voir. Vous faites un petit concert, là? J'ai fait un 19 en IRL. Incroyable. On peut mettre dans le jeu, ou... Incroyable. Je peux pas te soigner pendant que tu joues de la musique. Ah bah moi non, je trouve non, qu'on est pas très multifonction. C'est un peu dommage quand même, moi franchement. J'ai attrapé Ada. Bah tu peux la garder, nous on va bien. Oh, t'inquiète, on s'occupe. Ouais, c'est bon. S'occupe, on a fait un petit concert. Vous avez fait un petit concert, vous m'avez même pas fait un concert ni aux spectateurs là. Bah si. Ah bah faut venir faire un concert aux spectateurs hein. Ah oui, Marie, tiens, je t'emmène. Ah tiens. Ouais, non, mais venez, hein. Moi, je vous laisse tranquille, je vous ferai pas de mal, mais vous êtes obligé de faire ça, hein. J'ai fait un son. Au-dessus des vents. Oui, parce qu'en fait, on est des bardes, tu sais, il faut chanter. Ah bien bah sûr, oui. Bien sûr. Oui. Nous chantons. Nous chantons. Mais même moi, j'ai pas eu le temps de regarder cette map. C'est stylé, ici. Elle est incroyable, la map. Wow. Je crois que c'est là où il y a le PU. Viens, Marie. Ah. Il est là. Ah ouais, oui, c'est oui, là, oui. Regarde. Colle-toi à la grille au fond là-bas. Pourquoi? Ok, va. Non. Je dis, non. Mais si, viens. Je t'accompagne si tu veux. Vas-y. Vas-y, avant, pour voir. D'accord. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Le vilain. Qu'est-ce que tu l'as pas dit? Il t'a pas prévenu? Mais c'était sûr. Moi, je jamais de la vie. Tu te connais, Yuno. Je. Il sort au bout d'un moment, le bébou. On fait des petits concerts. Il a un œil assez. Cool. Oui, ça c'est. Alors. Il me regarde méchamment. Je sais pas si c'est un spectateur ou si c'est autre chose. Mais. J'ai fait un 13. Oh, j'ai fait un 16. Ah. Mon cœur bat, Benji. Oui, mais je vous ferai pas de mal, je veux juste profiter du concert, moi aussi, là. Bien sûr. Vous êtes où? Ah, mais du coup, les habilités marchent entre elles. J'ai. Wow, l'idée. C'est-à-dire que quand quelle je joue la musique, bravo. Je reste immobile. Bravo, je suis impressionnée, bravo. Putain, c'est vrai qu'il est vraiment terrifiant. Oh,
L'œil là, oui, mon dieu. Je la reprends. L'observateur, ouais, il observe. Ouais, c'est ça. Bon. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de montrer mes capacités là. Ah, Marie, je les ai vus un peu de loin. Ah, Marie, elle est. Ouais, je vais aller chercher Marie, je vais lui montrer mes capacités. Est-ce que Marie, elle te voit? Ah, bah, bonjour. Ah, mademoiselle. M'avez vu? Non. Pas du tout. Oh, je vois. Oh là là, vous êtes beaucoup en bas là. Qu'est-ce que vous faites en bas là? Non, quelqu'un a laissé traîner sa. Qu'est-ce qui a été laissé traîner? Sa boîte à outils! Quelqu'un a laissé traîner sa boîte non. à outils! Je ah, vous ai vu! Comment on drop les trucs déjà? Ah ouais, bah oui, mais là vous voyez. Je cherche je la sais tour. Que vous étiez par ici. Oh. Je le sais bien que vous étiez par là. Où êtes-vous parti? Vous êtes parti dans. À l'étage? Mais je. Non, bah, je sais pas. Comment je pas la map. Je découvre. Ouais, c'est ça, ouais. Oh. Oh, ça découvre, mais ça a oublié que la boîte à outils était par terre. Mais laisse-moi ouvrir le coffre. Peut-être un mimique. J'ai fait 17. Vas-y, tu sais quoi? C'était pas un mimique. J'attendais voir si c'était un mimique. Si ça avait été un mimique, je t'aurais laissé te faire bouffer. Mais je vais ouvrir tous les coffres en fait. Ah, non, si, c'est pas fou. Et donc, en fait, ah, après, si vous avez des pouvoirs, vous pouvez les utiliser contre moi, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps pour l'instant. Ah. Oh, bah, bien le bonjour, donc, ça, c'était mes petits squelettes, je les ai appréciés. Attends, moi, c'était même pas toi? Ah non, non, ça, c'était mes... C'était mes squelettes. Ça, si tu veux, là, ce que je fais, c'est une zone. Et du coup, si vous êtes dans cette zone, moi j'entends vos battements de cœur. Donc si tu l'envoies vers une zone genre où il y a un gène, tu peux savoir si les gens sont là. Ce que je t'ai envoyé, c'est mes petits squelettes. Après, je t'ai tapé basiquement. Et ensuite, je peux voler. Waouh. Bonjour mademoiselle. Bien bonjour. Et après, je peux faire main de mage, mais je vais te montrer. Attends, vas-y, libère-toi. Je... Libérez-vous, très cher, libérez-vous. Luttez donc! Très cher, par contre, vous ne me portez même pas le respect. Hein? Où est-ce que je peux voir les objets? Ah, je me libère, très cher, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, je vois que vous y mettiez du vôtre. Hein, oui, bien sûr, totalement. Donc voilà, par exemple, il y a une palette juste ici. Voyez-vous? Je la vois, je la vois. Donc, soit vous pouvez essayer de la claquer et je la lève. Soit si tu veux passer devant, moi je fais ça et en fait tu pourras pas la baisser. Ah ouais. Oh, non, attends. Par contre, jusqu'à ce que quelqu'un a laissé une manette là-bas. Une manette? Moi je joue la baisse. Non. Pareil. Je ne joue pas la manette. Je me fais démonter par une botte, tout va bien. Attends. Tout va bien. Bouge pas. J'allais dire oh trop bien. Il y a un bot qui vient vers moi et tout. Non, c'était belle. Non, tu dois vibe. Voilà. La 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 la. C'est terrifiant. Va chasser les bottes. Tu vas démonter Ada. Ah. Aïe. Super. Ada, mademoiselle, revenez ici. Ah, les squelettes, faut s'accroupir pour pas prendre de dégâts. Oui. Ouais. Ah, tu peux donc les. Non, mais tu fais. Mais pourquoi tu fais ça? Je cours. Je fuis, je cours. Je cours, je vole. Je vole, je cours. Mais du coup, moi j'ai des gants qui me permettent de voir. Ils permettent de voir quoi? Les mains. Parce que quand t'as mis ta main au-dessus de la palette, je l'ai vraiment vue, hein, la main. Ah. Je l'ai vue, elle était énorme. Moi je fais la. La main. La main. La main. Oui. La palette aussi, énorme, évidemment. Oui, bien sûr. Quelqu'un a laissé traîner une boîte à outils. Excuse-moi. Excusez-moi, le saviez-vous? Une boîte à outils a été oubliée dans le coin. Oh, c'est quand même bête. Vous avez laissé vos affaires traîner, mademoiselle. C'était pas mon affaire. Est-ce que je vous ai déjà présenté mes amis les squelettes? Oh, je les ai fêtés. Oh, let's go. Par contre, je ne t'ai pas invité, toi. Les palettes étaient loin. Mais on peut s'accroupir. Mais attends, ils traversent des murs! Mais oui, bien sûr! Mais tu vois, si je t'avais pas anticipé en mode mes squelettes, tu l'aurais peut-être pas su et du coup, t'aurais pris le coup, tu vois. Ah ouais! Il faut
faut être préparé à toute éventualité, bien sûr. Je souffre, douleur, agonie, souffrance. Ça suffit d'ouvrir des coffres. Pensez-vous que je ne vous vois pas? Non. Merci bien. Ah bah, veux-tu peut-être non. Ah bah Ada apparemment elle signe. J'ai envie, hein. Ah, merci Ada. Ah bah enfin. Incroyable. Hop. Non mais... Nous avons... Non. Non, non, fuis, fuis. Oh, je fuis. Je cours, je fuis. Par contre, je vois beaucoup de coffres, ça donne vraiment très envie de les ouvrir tous. Oh, 18. Oh, non. Oh, non. Ah, mais attends. Ça se passe bien, vous, lancer de dés? Bah, je viens de faire 9. Ah ouf. Ah. Bah, c'est incroyable, hein. Alors que... Ah, putain, c'est vrai qu'il y a un trou ici. Mais il est où, le Michel? Oui, bonjour. Moi, oh, non, tu veux pas me tuer. Bah, voilà. Où est-il? Il suffit de faire des générateurs. Vous avez fait assez de générateurs comme ceci, là, tout ce temps que vous êtes là, hein. Ada, ça va être la mort, en plus, je crois. Ah. Attends, j'arrive pour le pestac. Mais qui est cet homme, pas je... Voulez-vous voir le Mori de Ada? Oui. Ah, mais y'a quelqu'un qui est dans le sous-sol pendu. Ouais, c'est un bot. Voilà, si vous voulez voir le Mori de Ada, venez monter premier étage près de la tour, tout de suite à droite. Mais bonsoir, le... c'est ici le pestacle. Mais le pauvre, je vais vraiment le laisser mourir? Ouais. Oui, hein, mais c'est un bot. C'est pour comprendre comment il fonctionne. C'est ok, ça vaut le coup. Le spectacle, bien évidemment. Je vais mourir, Ada. Si tu veux attendre 15 secondes, je pourrais faire la bande son. Ah ouais, allez-y. Oh, non, mais faut faire des choses bien. Attends, puisque tu... Mais bouge pas, Ada. J'aime bien la musique... Elle bouge. Oui. La musique du... Pas ma musique, hein, mais ta musique. Oh. Ah. Mais non, mais elle a bougé! Madame, revenez ici! Ah! Attends, je fais la musique. Vous allez vous poser ici. C'est donc la musique? Je sais pas si musique. Ça sera réussi, mais c'est parti. À 14. Oh. Let's go! Vous avez pas besoin de tout ce sport. Ce n'est qu'artifice. Elle s'est fait bouffer par les squelettes. Ok, je me suis dit, oh, c'est mignon, moi. Ils vont la mettre sous le sol, pas du tout. Benji, faut que tu te sacrifies, faut que je monte le deuxième Mori. Non, Benji, y'a deux Mori, tu es obligé, viens ici, viens donc, Benji. Mais bonne ambiance par ici, totalement, ouais. L'ambiance, regarde, est super. On va te ramener près de Ada. Il faut montrer, c'est pour la science. Non. Mais si. T'as pas mon consentement. Marie, tu es partie? Ah non, tu es là? Non, pas du tout, je... C'est parti, de nouveau. Tu vas voir le même? Ah, tu vas peut-être avoir le même. Ah bah... C'est une autre POV par contre, hein. Attends, moi je veux la POV, moi. Oh. Ah, mais oui, mademoiselle, n'hésitez pas, venez, c'est gratuit, c'est ma tournée générale. J'en ai pour tout le monde. Ah, ouais. Mais il est hardcore. Il est... Waouh. Wow. Petite musique, mademoiselle. Oui! Ah. Voilà! J'ai fait un 13. Oh, c'est... Ah, mais ça s'entend, vraiment, c'est mélodieux. C'est mélodieux. Vraiment, j'ai le sourire. Mais très creepy par contre. Hein, c'est... Par contre, je... Oh, waouh! Alors, mademoiselle, attendez, mettez-vous bien ici. Je pense que ce sera pas mal. J'aimerais la POV première personne de ce qui va se passer. Ah, mais je peux pas! Ah! Je ne vous ai pas assez accroché, très cher, c'est embêtant! C'est embêtant parce que du coup je. Ah bah oui, c'est mais bête. Il va pas pouvoir. Mais il n'y a pas d'autre, Benji! Il n'y a pas. Ah! Il n'y a plus! Bah il faudra que tu, la, que tu l'infliges toi-même de la POV tueur! Oui, totalement! Mais si, parce que dans tous les cas, j'ai pas le dernier crochet, donc c'est mort, je pourrais pas la tuer!
Je voulais vous sortir, mademoiselle, ou... Non, non, tu veux essayer c'est... de trouver la trappe? Oh, il y a la trappe. Vas-y. Je compte jusqu'à... Allez, vas-y, on fait une course, on fait un cache-cache. Attends, attends. Je compterai jusqu'à 10. Ok. Je... T'es allez, bête vas-y. Attention. Et toi, tu pars et tu cherches la trappe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mademoiselle. Ouh, il y avait une petite boîte à outils qui traînait là-bas, mademoiselle. Ah bah, après, oh, bien le bonjour, madame, bien le bonjour. Oh, elle était juste là. Juste là, ouais. J'ai cru entendre le bruit, mais je me suis dit que c'était... Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais la boîte à outils qui traînait, c'était même pas la mienne. J'ai peut-être eu une info pour toi. Je suis navrée. Non, Marie, j'ai une info pour vous. Oui. Pour avoir le Mori qui est différent, du coup, il faut le faire sur un solvant qui a l'œil ou la main de Vecna sur lui. Ah d'accord, ok. Mais ben alors, je savais qu'il y avait les deux, mais je pensais que c'était celui-là qui se déclenchait et si on avait l'œil et la... Mais en fait, je sais que ce Mori-là se déclenche de base. Tu peux mourir les survivants si t'ont pris l'œil ou la main, même si toi, t'as pas mis de Mori, en gros. Ah ouais? Ouais, faut être sûr de pas confondre ça. Parce qu'en gros, si toi t'as pas mis de Mori mais que tu chopes un survivant qui a l'œil ou la main, tu auras ce fameux Mori différent. D'accord. Ah, l'épée de Damoclès. Ah bah oui, bah après, genre tu fais un 20 mat, t'es ça, trop content et tout, t'as un objet après, et en fait. Oui, oui. Wow. Ok. Ah, c'est risqué, voilà, voilà. Intéressant, ah, fort bien. Ok, eh bien, je passe survivant. Incroyable. Eh bien, je vais passer. Tu as bien évidemment. Oh, nous allons prendre. Il faut mettre un autre bot. Ouais. Ah oui. Ah merde. C'est moi qui mets quand même les bots. Bah, je crois que c'est toi qui es chef donc du truc. Ah, oui. C'est toi qui es chef de groupe, il est vrai. Tout est bon. Tout va bien. Nous sommes là. Mais par contre, le Mori, il est hardcore, vraiment. Oh, mais de ouf. Non, mais il est incroyable, par contre. Il est insane, ce Mori. Bonjour, moi, j'adore. Ok, je veux mon inspiration bardique, s'il vous plaît. Ah, merde. C'est important. Voilà, bien sûr. Hein. Et je vais garder aussi ça. Ok. On va mettre... Alors attends, je me souviens plus du nom de ces perks par contre. Avec tu peux mettre juste Vecna, tu trouveras normalement. Ah ouais? Ouais, moi je les ai recherchés comme ça. C'est vrai. Ok. Et un petit souple, voilà, histoire d'être souple évidemment, c'est important la souplesse. Évidemment. Évidemment. Ça va être la même map normalement. Donc... Ah bah après, c'est la map. Voilà, ouais, faut voir un peu ce qui se passe. Ok. Prendre une boîte à outils comme ça, tu pourras voir en les faisant tomber. Oui. Mais attends, parce que. Est-ce que j'ai. Non. Oh. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Bien. Alors, je pense qu'on est pas mal. Je réfléchis, mais je pense qu'on est pas mal. Ok. C'est parti. Wow. Ta game. Vas-y, hein. Oh là là. Marie Vecna, c'est parti. C'est parti. Marie. Grande tueuse. Grande tueuse, évidemment. Ah, mais il est extrêmement satisfaisant à jouer. T'as toujours quelque chose à faire, ses pouvoirs, ils tournent toujours, tu vois. C'est vrai. Faut vraiment que je... C'est trop bien. Faut que je trouve quelque les touches, par contre, parce qu'il y a un Mori. Ah bon? Pas du tout. Je voulais aller dans le vallon de tombe. Bien sûr, oui, bien sûr.
Faut que je regarde les touches juste au début, parce que, attends, s'il a 4 spells, je suis même pas sûre d'avoir 4 touches. Alors là, je sais même pas comment... J'ai pas encore fait, moi, je peux pas te dire... Oh là. Alors. Attendez, pouce. Ah mais non, oui, je peux pas faire... Oh là. T'es où? Ah ouais, non, c'est plutôt ça... Oh, j'ai fait un 1, putain. Oh. Bah voilà, je t'ai entendu crier de loin. M'as entendu crier. Oh, c'est giga stylé. Mais attends, faut que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui est quoi. Impossible. Bah du coup, tu pourras faire alors, un normalement... Alors, normalement... J'ai eu l'œil de Vecna. Ah oui, ouais. Le Morispé. Pourquoi est-ce je peux pas... Ouais, pour faire le Morispé, faut faire récupérer ton artefact, en gros, quand tu l'auras mis à terre deux fois. Là, normalement, tu dois voir, parce que j'ai droppé la... Je crois que j'ai cliqué sur rétablir les valeurs par défaut, je ne pouvais pas bouger, je ne comprenais pas. Tout va bien. Alors. Je suis avec Ada actuellement. Bien sûr, je... Alors du coup, tu peux avoir un légendaire et deux objets, c'est ça le délire? Ben, je crois, effectivement, c'est un peu les ouvertures de coffre. Ah, mais ça a été ouvert ici. Ah, mais attends, moi je veux un peu, hein. C'est ça. Ok. Marie, t'es où? Question, où êtes-vous, vous? Nulle part, vraiment nulle part. Hein. Oh, mais t'as blessé quelqu'un déjà? Attends, c'est ça? Mais arrête, mais pourquoi il fuit ce bot? Viens ici que je te soigne. Ah non, viens pas ici que je te soigne, démerde-toi. Attends, comment est-ce que... Oh putain. Ça a pas marché? Oh. Oui, il aura des... Ouais, tu vois, t'as tes corbeaux et là, avec ta palette, avec ta main, tu peux normalement lever la palette, ou pas. Ah oui, mais du coup, j'avais mis les... mes corbeaux. Attends, mais j'ai plus de corbeaux. Ah, ils sont en recharge. C'est ça, tout est bien. Pour un temps de recharge. Très bien. Et du coup, attends, où es-tu? Est-ce que je peux faire... Ouais, ça c'est... Attends, ça c'est pour te voir. Attends, non. En bas, c'est la bulle pour voir, normalement. Ah oui. Ouais, t'as tu l'envoies dans une direction où il y a des gènes et comme ça tu sauras en gros si des gens sont en train de bosser là quoi. Et ça. Ah, ça c'est pour voler bien sûr. N'aime pas ma musique? Je vole. Je vole, je suis passée à côté de ta musique, mademoiselle. Et du coup. Ah, c'est un coup à prendre hein, de. Ok. Ouais, de jongler entre les pouvoirs, c'est un truc à prendre, mais du coup après, genre en chase, tu te concentres sur. La main de mage, tu vois, voilà, ouais. Là, je peux pas la baisser, je suis niquée pendant un temps. Alors après, en comptant que voilà, ça dure un certain moment. Ça dure un certain... Ouais, là, elle est déjà partie. Bah, après, elle s'enlève et du coup, bah moi, je peux venir la reclaquer, tu vois. Fort bien. Ou alors, les corbeaux. En vrai, moi, quand je suis en poursuite, je joue avec les deux trucs parce que tu peux facilement... Oh, j'ai été sous. Ok, parce que là, je peux faire ceci, into... Ils sont pas là au bon moment. Bien bien. Bien. Sinon ça marche aussi. Vraiment, voilà. Le... Non mais bien sûr, taper non, mais... ça fonctionne. Hein. Taper ça fonctionne toujours. Par contre depuis le début de la game, je n'ai pas réussi à sortir des donjons. Okay. Je cherche un escalier. Aussi, alors dans cette map, ouais, t'as un escalier, sinon t'as des portails. Ah, voilà. Ah des portails. Ouais, tu peux te TP. Ah ouais. Ah ouais. J'ai mal. Par contre, comment ça est... Non mais les bots, ils font vraiment bien le travail. Vous pouvez m'accrocher, madame. Ouais, ouais, les bots, ouais. Benji, la rejeune. Mais attends, mais c'était un faux Benji, ça. Et cela suffit. Quoi? Cela suffit. Bah non. Ouais. Oh, comment ça entre les mailles du filet. Comment est-ce qu'ils ont pas tapé? I am shocked. Il pèse pas où? Oh non, il a sauté en bas. Oh, flemme. Oh, flemme. Non, non, mais attends, il y a plein de... Ah, mais il y a des générateurs en bas aussi. Mais vous êtes partout. Ouais, la map est pas évidente. J'avoue que même moi, je me perds en survivant. Ah ouais, 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 effectivement. Que, bah, l'escalier, il faut le chercher. Mais il y a des TP. Les TP, c'est trop bien, ouais. Je les ai pas encore trouvés, les TP. J'ai joué une petite chanson pour le spectateur. Ah bonjour. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Ah je me suis coincée, vous comprenez que je me suis coincée. C'est un peu embêtant.
Ah, quand même. Ça marche donc, ceci. Ceci fonctionne, en effet. Je ne me suis pas baissée. Ah. J'ai plus l'habitude de les envoyer que de les recevoir. C'est vrai. C'est vrai. Très bien. Veuillez me libérer. Non. Je souffre, je meurs, j'ai mal. Ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est le vol. Et ça, c'est... Ah oui, oui, oui. Ça, c'est pour voir les gens. Ouais. Ça, c'est les potes. Hein. Non, ça, c'est pas pour les voir. C'est pour les... Attends. Qu'est-ce que ça fait s'ils sont dans la sphère? Je me souviens plus. Ça te permet de les repérer en gros. T'envoies la sphère dans une direction, elle avance, et à un moment, si elle croise des survivants, ça va faire des battements de cœur que tu vas entendre et repérer visuellement. Fort bien. Ah, je pensais que je l'avais touché! Aïe! J'avais pas vu la. Oh, 19! J'ai fait un 9. Oh, un portail! Oui. Voyager par le passage. Wow. Oui. Oh waouh. Ah ouais, non mais toi t'as fait tous les coffres de la map. RGB là. Hybride. Ouais. Oh non. Oh non. Bah ouais, mais moi j'ai pas de coffre. Où est-ce qu'elle est? Ah mais elle dure pas longtemps la main de mage. Pourquoi il faut vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Je sais pas, je vous ai vu, vous êtes à côté d'un objet. On est en train de se balader tranquillement. Oui, bien sûr. Non, faut pas le prendre comme ça, mademoiselle, voyons. Quel objet est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait comme objet? Ah, mais en fait, je vous vois partout, mais je vois pas les objets, donc je vois pas pourquoi je vous vois. Oh, bon après, oui, j'en ai pas beaucoup, mais... Alors, attends. Ah, mais je me trompe entre coup droit et coup gauche. Alors, moi, je t'ai vu, je pense que c'est grâce à mes gants. C'est ça, quand je te vois quand tu voles, quand j'ai les gants. Ah, ouais. Ça dépend des gants, ouais. Ah, cool. Ah, vraiment, cool, je pense, super. Ah, alors. Ça ne m'arrange pas, ceci. Oh, ah. Bien, bonjour. Oh, attends, dans le portail. Ah, mais du coup, je peux pas. Attends, où sont... Il s'est fermé? Oh, je laisse Ada mourir, hein. Ouais. Oh. Il s'est fermé, le portail? Ouais, mais... Enfin, je pouvais le prendre après, mais ça me faisait perdre trop de temps. Oh, il m'aveugle et tout, le bot. C'est beau. Mais il m'aveugle. Démonte-le. On le laissera mourir. Par où là, ça peut être... C'est à l'étage. Ah, ouais. Attends, mais il faut que tu me... Oui plus, Ah non, ouais. mais les bots, ils font des loupes et tout. Ah ouais, bah ils sont pas... Ils sont pas... Ah non, ils sont pas si mal, les bots, hein, franchement. C'est à côté de celle que t'as accrochée. Ah ouais. Alors moi, ouais. J'essaye de faire en sorte que les deux portes ne s'ouvrent pas. Mais Ah, bien bonjour. Il est en train d'ouvrir, Jake. C'est pas moi, je suis le bot. Non, il est là-bas, regarde, il est là-bas. Attends, je le body block. Ah, viens ici. Non, il est sorti. Laissez-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Par contre, désolé, Yuno, tu es la seule que j'ai déjà accrochée. Hein? Notre temps est limité. Ce qui signifie malheureusement que c'est... Alors attends, je me trouve... Non, mais là, c'est pas si mal, là, c'est un bon endroit pour mourir, hein. Et du coup, il part vraiment genre à droite et à gauche, genre là, tu peux toucher par celui de gauche. Ah ouais. Non. Après, je sais pas si j'ai eu deux crochets, ouais. Hein, fais gaffe. Ah non, c'est vrai. Je crois que tu m'as accroché qu'une fois. Accroche-moi vite fait pour que Benji puisse me décrocher. Alors. Ouais. 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 Si vous inquiétez pas, je bien bouge sûr. Pas. Non, mais voilà, trop d'efficacité, tout ça, voilà. Mais non. Ok, allez. C'était mon deuxième crochet. Libérez-moi vite. Les pâquerettes. Il faut la libérer. Libère-la donc, bien évidemment. You know. Libère-la donc. Oh bah ouais. On n'a pas toute l'après-midi. Libère-toi, libère-la. On a toute l'après-midi. Tout va bien. Libère-toi, Benji. Qu'est-ce que ça a fait? Ah, au secours. Bien le bonjour. Non, je veux pas mourir, au secours, à l'aide, je m'en vais. Non, c'est moi, il faut que... Non, moi. Toi?
J'ai le mori spécial. Ah ouais? Ouais, accroche-moi. Ah, t'as le mori spécial, t'as le... Oui, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, okay, bah ouais. Okay. Ok, vas-y, vas-y. On a le temps de faire les deux morilles, on a le temps, ça va. Oui, on a le temps. Mais crache le. Hop. Vas-y. Tu l'as. Alors normalement le morille ça va être genre récupéré. Ah, ah bah oui mais non. Il a son. Si, si, ah oui c'est ça, c'est t'as l'œil. Hein, c'est ça. Oui j'ai l'œil. Et l'œil, en j'ai fait l'œil. Ça va être récupéré l'artefact genre. Encore, je crois. Attends. Non, faut que tu m'accroches encore une fois. Ah encore une fois pardon. Bah ouais. Je me disais, mais je n'ai pas. L'organisation pour... Oh, mais l'organisation, hein, j'avoue. Oui, non, décroche. Ouais. Et. Vous êtes moi en attendant parce que oh, lui, là. Oh, grand Matt Mercer. Alors. Oh, waouh, ce que t'as pris. Alors récupérer l'artefact. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est ça. Vas-y. Oh. Oh, c'était super. Ouais, c'était un peu. Ouais, ouais, ouais. Oh, j'ai fait un 20 nat avant de mourir. Ah, bah, désolé. Bah, adieu. Ah, mais non, mais je peux pas te tuer, toi. Si, si, je peux te tuer aussi. Tu m'as accroché deux fois, normalement. Ah, ok. Et du coup. Non, c'est pas ça. Pardon. L'homme mourit. Oh. Ah, oui, en première personne, c'est plus stylé. Oh, oh. Oh non. Oh non. Oh non, non, non. Ah, si. Ah, c'est bon. Ah, et la mâchoire qui te s'en va là. Oh. Je n'ai plus que la peau sur les os. Non, non, je crois que t'as plus que les os sur les os, je suis pas sûre. Ah, y'a plus rien là. Incroyable. Aïe aïe, c'est très stylé, moi j'aime beaucoup. Voilà, oh, c'est beau. C'est ah, ouais, beau. Ouais, ouais. Et re. Oh, bonsoir. Allez, hein. Alors. Du coup, c'est Benji, tu tues, c'est ça? Bah, oui. Il essaye. Non, c'était ça? Genre, on se fait une. Ouais, ouais. Non, mais vas-y, on va tenter, hein. Ah non, mais let's go! Ouais, mais moi, voilà! Ça ressemble, y'a pas de soucis, moi. Allez, hein! Faut tous profiter de Vecna, évidemment. Ah, évidemment, let's go. Profitons, profitons. Hop. Tac, tac, tac. Let's go! Ada, je pense qu'elle se sent un peu seule, là. Putain, j'avoue! Ouais. Ada, merde, prends un luth, viens jouer de la musique avec nous, là! Sois un barde! Aïe, 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 aïe. J'avoue. Alors. Continue. À très vite. J'ai pas pu me remettre prête. C'est quoi ça? Un coffre supplémentaire. Oh, j'avoue, c'est pas mal ça. Parce que t'as plein de coffres contre lui. Comment ça fonctionne, Vecna? Mais franchement, c'est trop bien. Incroyable. Et là, je crée la surprise et j'ai pas pris Vecna. Mmh. Oh là, le méga. Oh là. Vraiment, non, genre. Je gueule. Alors, moi, j'ai affronté la liche. Trouvez et équipez-vous d'objets magiques que vous trouverez. Oui, moi aussi, j'avoue. Là. Ça a spoilé un petit peu. Ah bon, vite fait. J'avoue que. Alors. Vas-y. En fait, Vecna, faut vraiment jouer avec les coffres. Oui. Ouais. Mais je sais pas si c'est toi qui as mis un coffre supplémentaire. Ah, Alors peut-être. Je suis pas sûre que les boss y mettent des offrandes. Ah mais c'est un vrai coffre ça, c'est pas un coffre de Vecna. Oups, il y a une boîte à outils dedans. Ah bah écoute, c'est pas perdu hein. Après faut pas la laisser près d'un jeune quoi. Non bah oh, bonjour non. Oh bonjour. C'était ah mais attends, mais j'avoue un objet qui est dans un coffre. Si c'était moi-même. Je joue un petit peu de musique. Yeet. La 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 la. Là, wow, c'est incroyable. Ça va Benji, ça vole? Ouais. Mais attends, mais un objet qui est dans un coffre à ramasser, est-il considéré comme par terre ou pas? Moi, oh, je pense pas. Je sais pas, faut demander à Benji. Benji, est-ce que tu vois une aura particulière? Peut-être que je vois un truc, peut-être. Oh, oh là. Premier jet de dés, 20 nats. Oh, GG. Oh là là. Mais qu'est-ce que ça fait du coup? Non. Pas d'intérêt. Merci. Incroyable. Par contre, je ne sais pas ce que ça fait. C'est bien caché dans mon buisson, tout à fait. Hein. Où? Hey, reviens ici. Je me mute le chat. Qu'est-ce que ça fait l'œil déjà? Ça fait que je le vois? Je me souviens plus. Mange. Pauvre bot. Attends, j'ai perdu les générateurs. J'en avais un pas loin. Je peux pas voir mon œil. Elle se retourne. Qui ça? À chaque fois. C'est pas moi.
Bah, c'est pas toi ça. Ah non, j'ai pas. Non, j'avais pas. Non, ça compte pas. Attends. Non, tu triches. Ah je bah non, faut casiers. Préparer votre main de match, ah ouais monsieur là. Faut toujours qu'elle soit prête la main de match. J'avais pas, j'avais pas. Ça donne... J'avais pas. Va dans les casiers en courant. Oh. Il avait peau. Non. Attends, lui il brille. Qu'est-ce que ça fait? Et où? Les casiers en surbrillance jaune. Je cours? J'y vais? Attends, non, attends. Ouais. Je cours et je me cache vite fait? Non! Non! Ah! Et là il me voit pas. Je vais pas là! Et je vais plus vite. Non! Oh! Mais du coup, il me voit pas. You know. Enfin, il m'entend pas. Mais il me voit. Vous m'entendez comme un robot? Non. Ah? Tu t'entends attends. Comme un robot? Ah, you know ça? Non, apparemment, le chat m'entend comme un robot. Ah! Pardon! Bah, je vais redémarrer vite fait mon appli Go XLR. Hein. J'arrive. Ah, okay. Bah oui. Hein. Pas de soucis, hein. Ah, nous, on t'entend normalement. Mais en vrai, 28 mètres, ouais, c'est pas si loin. Hop. Alors, attendez. Non, mais parce que c'est bien beau, les conneries, mais à un moment donné. Hop. Je vais quand même en choper un pour taper sur l'autre. Bien sûr, bien sûr. Bah, ouais, faut faire, non, c'est pas ça le jeu. Ouh-ya-li-la-li-la. Ah mais je me disais bien que ça m'avait blessé. Ouais, ça me blesse par contre. Okay. D'accord. Mais il faut que je rentre dans le casier en courant ou pas? Je suis pas sûre ça par contre. Il faut juste que je sorte d'un casier. Mouais. Mouais. C'est ça, ouais. Oh. Ah oh. Oh bah c'est fou ça. J'ai cru voir un... Un gros minet? Un gros minet, mais non. Pas du tout, pas du bah tout. Bah non, c'est Vecna. Oh bah tiens, c'est Yuno ça. Ah. Attends, je la caillasse un peu. Allô? Ouais. Non, faut que je sorte en ouais, t'inquiète, courant, ça va bien se passer. Mais pas que je rentre non, en courant. Non, t'abuses. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. C'est ça? C'est bon apparemment, c'est bon, j'ai récupéré ma voix, tout va bien. J'étais sensiblement un droïde. Attends, je voulais le refaire juste pour voir, mais il le fait à chaque fois. Je suis très curieuse de savoir ce que ça a donné. Mais... Oh, oh, oh. Donc bel et bien à chaque fois. Bah non mais j'ai mal, non t'as heureusement qu'il y avait Benji pour me dire la première fois tiens tiens va là-dessus. Parce que alors là je serais tombée là-dessus toute seule. Ah si? Ah bon? Ah t'as dit oh bah tiens, quand j'ai dit oh bah tiens j'ai cru voir c'était pas moi que t'avais vu? Bah je t'ai pas vu. Hey me my friend. Et toi? J'ai fait un 20 et un 18. Oh là là! Oh là là! Toi, viens ici. Après, est-ce que je peux jouer un peu? Non, mais pas comme ça, Michel! Ouais, mais, t'as... Ouais, mais non. Ah non, mais... ah, quand même, abuse pas. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Mais du coup, quand je joue de la musique. Tu fais un concert là? Oui, mais je veux dire après, c'est-à-dire je peux jouer de la musique pour moi-même. Et après, je c'est bien quand je fais les coffres ou il faut que je sois constamment en train de jouer de la musique? Non, alors tu dois pas être constamment en train de jouer de la musique. Dès que tu finis ton inspiration bardique, elle est active pendant 1 minute 30 en gros. Ah, oh. C'est ça. Et c'est donc ça. L'important, l'idée, c'est de la faire juste avant d'aller sur un gène, tu vois. Oui, 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 c'est donc ça, c'est donc ça. Je joue un petit morceau, let's go. Merci Aspire pour le reçoit, merci beaucoup. Ok. Oh wow, attends, on supprime votre aura, okay, bon, là, accorde une invisibilité totale. Oh, ah, bonjour, c'est peut-être pas le moment, bonjour. Inside, oh, ouais, mais c'est pas quoi, juste, tu m'avais mis à terre là, tu m'as laissé. Tu t'es déjà attendre, blessé, je... tu vas dans le casier, tu sors du casier. Elle est même pas venue me sauver, j'imagine j'ai dû attendre qu'un bot se déplace pour moi. C'est vrai ça. Elle m'a laissé par terre agoniser longuement. Moi, je suis là en train de poser des questions sur le bard et tout, et c'est vrai que Yudo est en agonie. Elle m'a laissé dans la mort, c'est super. Super hein.
Oh. Incroyable. Aïe. Ah mais tu vas bien maintenant. Ah non. Bah tu non, non, bien je me vide encore de mon sang, mais tout va bien. Bon, oh, ça va, tranquille. Vraiment. Non, mais c'est bien, c'est tu vas avoir le positif. Mais enfin, là, je vois le sol surtout. Ah, c'est vrai. Merci. C'est sympa, hein. Bon, j'ai pas encore compris la main de mage, etc. Ouais, la main de mage, faut bien anticiper, mais franchement, c'est trop bien. Ouais, pour bien anticiper, mais sinon. Ah, ouais, mais c'est très satisfaisant, hein. C'est sympa, hein. Merci, Bing. C'est satisfaisant, je dirais. Oh, incroyable! Ah oui, non, t'es devenu invisible! Mais oui, c'est fou! Ah, t'avais le casier! Eh ben, je suis à côté de toi, j'étais à côté de toi, j'étais invisible! Incroyable! Oh, par contre, il m'a suivi! Il m'a suivi! Non, mais ça, c'était pas drôle! T'étais pas censé savoir où est-ce que j'étais allé, c'est trop drôle, je trouve ça un petit peu. Ah, tu peux pas monter! En bas, les clés coincés! Da-da-da-dam! Je pensais pas que j'allais être coincé, je pensais vraiment que j'allais pouvoir me hisser haut, tout ça. À quiconque viendrait me chercher, attention, il y a un œil dans la cage à côté de moi. Ouais, je sais pas si je vais venir te chercher vu le nombre de temps que tu m'as laissé partir. Je suis pas sûre. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense, franchement, est-ce que tu mérites sauvetage? Moi je trouve que je mérite tout. Ah ouais, regarde, carrément. Excusez-moi, je sais pas par contre depuis en haut on peut pas descendre en bas. Ah, bah alors Marie va falloir te débrouiller. Hein. Bah écoute, moi je trouve que. Oh les audios. Non mais les bots vont venir te sauver. Oui. Bien sûr. Mais c'est ok, c'est ok. Bah, attends quand même. Oh. Je suis souple. Je suis souple, mais quand même. Je suis souple. Alors. Je prends la main. Je peux donc aller. Ah. Oh con ça. Ah bah con ça. Non mais autant. Autant les pouvoirs du tueur je les ai pas encore. Autant bon. Oui non mais un... non bah c'est tout minimum. C'est tout. Voilà j'accepte. Qu'est-ce qu'il y a à mettre? Oh non you know. Terrible! J'ai totalement vu que tu étais accroché comme depuis le début de cette game! Tu vas venir m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr! Comme toujours, tu vas se voler à mon secours immédiatement! Je vais courir, je vais voler, je suis déjà là! Oui! Évidemment! Bien évidemment! Oh là là! Ouais, c'est ça, ouais! Regarde-moi ça! Merci! Oh, mais tu as un œil, il est brillant! Voilà! Pour toi, si, te... Oh, si je te faire memento avec ça. Hein. J'ai fait un 20. Par contre, c'est vrai qu'il pourrait récupérer l'artefact. Il pourrait venir te chercher l'œil dans le. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Doudou Ada, elle veut pas nous aider. Regarde, on va après, elle. Ah, combien? Tiens, à côté de Nanoï. Trop fier, mais. À côté de Nanoï, je viens de voir. Ça va tous nous buffs normalement. Ouais, par contre, le pauvre barde. C'est vrai, faut aller sauver le barde. Ah, oh. Oh, mais en plus il y a. Ah oh, ouais, non, mais d'accord, ok. Si je la ramasse juste beaucoup dans ma main, normalement, je pense que ça suffit pour que ça disparaisse. Hein. Ah bonjour. Premier citron. Je n'ai pas fini avec toi. Alors, si je puis me permettre, j'aimerais qu'on ait une discussion constructive. Non. Oui, okay. Tiens, je te montre mes arguments. Merveilleux. Non, mais vos arguments sont convaincants, hein, mais une discussion constructive. Constructive. C'est mal. Bah ouais, mais non. Bah ouais. Non, c'est assez réaliste, Ada qui joue perso. C'est vrai ça, hein. Elle est RP en fait.
Secours! Oh, elle vient m'aider. Non, je suis mauvaise langue. Pardon, Ada. Tu es exceptionnelle. Non, non, pas du tout. Non, non. Non, mais toi, t'es occupée. Tu cherches Marie. Oui, non. C'est vrai. Trouve-la, voilà, fais-lui du mal. Ah, bah yes, super sympa ça. Je trouve ça plutôt cool. Oh. Hein? Non, mais on est une équipe, Marie, tu sais que je le pense pas. Pas Marie. Oh, quel dommage. Ah. Attendez, je vais régler un petit truc vite fait là. Attendez, couchez la bête. Kill. Ah, oh là. Ah ouais, comme ça là. Ouais, à chaud là, comme ça là. Non, bichon. Allez, je la déshabille entièrement. Quel... Hein? Plus de peau. Ah oui, d'accord. Ouais. Problème. Ah, j'avais pas vu la mâchoire qui se décroche. Pas mal. Ah si, si, c'est satisfaisant. Hein. Pardon. Non, c'est horrible, c'est atroce. C'est terrible, mignon. Terrifiant. Oh. Oh, horrible. Je suis chez moi. C'est chez toi? Ah bah là, ouais, c'est... Ah bah là, c'est... Ouais. J'ai vu les arcanes. J'ai étudié les arcanes. Ouh. Attends, il faut jouer les 15 secondes ou pas pour avoir le buff? Oui, bah oui. Ah ouais. Ah, j'avais pas encore fait ça. Ok. Ouais, donc ouais, ça répond à la question. Moi je joue la musique vraiment vite fait quoi. Mais là du coup j'ai le buff, ouais, il est en bas à droite là. En bleu, vert, gris. Bleu gris. Bleu gris vert, turquoise. Dis donc. Oui. You think me rolling. Non, tu reviens. Mais non, t'es où? Non, elle est partie. Ouh. Ah non. Désolé. Non, c'est trop. Non, ça c'est... J'adore. C'est génial. Par contre, je suis blessée. Faut bien qu'il y ait un inconvénient. Par contre... Ça te blesse sur l'œil? Ouais. Par contre, quand tu ressors du casier, t'es invisible, mais... J'ai pas trouvé la sortie. Je voulais remonter. J'ai couru pendant 20 secondes. Non, non, tu fais pas. Bah alors là. Écoute, pour une fois que je trouve une lampe. Ah non. Allez, allez, couchez la bête. Oh le karma. Je ne sais pas les utiliser, les lampes. J'essaye d'apprendre. Excusez-moi, je. Pardon. Ah, dis donc, vous faites ça bien. Ah. Hein? Il est passé ? Il passe bien. Alors. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut discuter ? Jamais. Une conversation civilisée. Donc on n'a pas pu discuter beaucoup comme c'était moi, toi qui faisais des kills. Alors arrête, moi j'ai discuté. Hein. J'ai discuté énormément. Je discute bien là, regarde. Oh, ouais, ouais, je sens la discussion. Bon bah Ada, tu es notre seul espoir. Hein. Alors, si Ada vient pas nous sauver, t'auras pas tes morts, hein. C'est pas grave. J'aurais testé le perso. Oh bah super quoi. Hein? Bien testé. Ah hein. Bah super. Ada, s'il te plaît. Merci. J'ai mal. Au secours. Oh putain. Tu vois la lumière au bout du tunnel. Elle est si lumineuse, si éclairée. Ada. Tellement présente. Je la vois de plus en plus. Tu vois la lumière? Je la vois fort. Tu la vois la fort. Je suis presque dans cette lumière. Je... Ah! Ah! Elle est plus là. Elle s'éloigne. Incroyable. Superbe. Tu sais que j'allais partir, hein. J'ai vu l'escalier, j'étais là. Ouah, trop bien! Je peux remonter! Attends, Yuno. Ça l'a encore laissé mourir. Il est en train de voler, mais alors très vite vers nous. Là, je le vois, là. Il ne vole plus, mais... Ouais. Mais non, mais je chasse la petite Ada. Bien sûr. Ah... Qui joue un peu trop avec mes envies de meurtre. Ah hein. Ouais, ouais, ouais. Okay. Oh, bien. Eh bien, hop. Mais elle... Tu veux dire bonjour à l'œil? Bon, j'en ai marre, allez. J'en ai pas.
Je fais un concert. Super. Franchement, merci pour... T'as fait combien? Moi, j'ai fait 9. Ah, non, mais écoute, laisse, tu peux pas nous taper, on joue. Non, Mais bien sûr. Oh, il est vénère, hein. Mais arrête, peux pas profiter de la map, là. C'est fou, ça. Les excuses. Moi, je m'en vais, hein, débrouille-toi. Ah, comment ça, tu suis pas Yudo, alors que Yudo... Ouais, cours. Ah, bim, voilà. Ok, très bien. Attends. Mais attends, mais pourquoi est-ce que je peux... Je peux plus rentrer dans les casiers quand je suis déjà blessée. Ceci n'est pas une fenêtre. Ça, c'était moi, ça. Hein. C'est vrai, ça. Ceci n'est pas non plus une fenêtre. Ceci est un tueur. Alors, j'ai un léger souci de... Je n'ai pas de... Ah ! Cours, Marie, cours ! Bah non, bah ça passe pas, ça. Non. Oh non! T'as vu le tonneau, y'a du feu, ça alors? C'est fou! Ah! Ah! Il récupère the artefact! Ouais. C'est mon œil à moi! Oh non! On s'est auto-récupéré l'artefact! Parce que toi, je l'ai récupéré sur toi, et ensuite tu l'as re-récupéré sur moi! Ah ouais, c'est ça! Bah, je suis pas partageur! C'est mon œil! Mais à date, on a pas marre de rien foutre! C'est fou ça! Elle me passe à côté, je suis en train de faire le jeu, elle me regarde genre c'est bien, esclave, continue de travailler. Moi je vais aller me balader par là. Oh, c'est sympa ici. J'étais pas allée. C'est beau, hein. Ah. T'es passé entre les mailles du filet. T'es où? Hein? Oh. Rwanda, vas-y, cours-moi, tu t'arrêtes. Fuyons, pauvre fou. Pauvre fou. Courage, Uno, hein, évidemment. Non, mais je. C'est ok, Soon l'attrape, hein, évidemment. Soon, hein. Évidemment. Non, Ada, ça va mal se passer entre toi et moi, hein. Ouais, c'est ça. On va voir comment elle s'en sort, Ada. Ah, rigolo. Ah, oui, bah, ah quand même. Ah non, je pensais qu'elle était dans un casier, j'avais pas vu. N'avais pas vu. Je pensais qu'elle te regardait. Ah! Elle me regarde toi là. You know? Courage! Oui. Bon courage à toi. Ouais. Mais je vois cache-cache? Non. You know. Oui. You know. Elle peut être en bas. You know. Oui. Let's go. Oh, incroyable. Voilà. Trop fort. Trop fort, franchement. C'est sympa, ouais. Hein, le gameplay est cool, franchement. Mais franchement, c'est très sympa. Ouais, non, à prendre en main. Je pense qu'une fois que t'as pris en main, ouais, parce que la sélection des sorts et tout machin. Ouais, c'est ça. Mais c'est exact. Ouais, ça perturbe un peu le fait de passer dans. D'un sort à l'autre, dans une espèce de roue sélective. Après, c'est super bien foutu, je trouve. T'as pas besoin de faire sort 1, sort 2, sort 3, tu sais, avec une keybind de machin. C'est vraiment genre très intuitif. Oui. Mais du coup, faut savoir au tout début, qu'est-ce qui représente quoi et tout. Cool. Et bah, incroyable, hein. Par contre, j'ai pas compris pourquoi j'avais que deux. C'est un de tes add-ons que t'as sur le truc de base. C'est. Ah, ouais. Les chapitres interdits et irisés réduisent le nombre d'entités spectrales créées par la volée des Namés de 3, mais ils sont plus proches du sol, donc je pense que ceux-là, même si tu t'accroupis, on se les prend. Ah, d'accord. Ouais. J'avoue que c'est pas mal, parce que par réflexe, tout le monde s'accroupit, mais en fait, celui-là, faut pas s'accroupir.